Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing, un partenariat. Alors j'ai ouvert le paquet, mais c'est pas pour regarder ce qu'il y a dedans. Je vais pas regarder ce qu'il y a dedans en fait. C'est parce que j'ai oublié de mettre le téléphone en route pour filmer et je commençais à ouvrir. Donc voilà. Donc le partenaire c'est everydaycraft.com. Voilà, donc j'ai commandé, ils m'ont demandé de choisir pour je ne sais plus combien. Et j'ai trouvé des petites bricoles, donc hyper sympa. Alors j'ai pris ma tablette pour vous dire au fur et à mesure les prix, enfin, tout ce qu'il faut. Et il y a des petites bricoles. Alors, donc il y a une toile, deux toiles, trois toiles. Et je vous montrerai donc les petites bricoles ensuite. Alors, la plus légère, donc pareil, hein, j'avais demandé des strass, enfin des toiles partielles, toile carré, diamant rond. Donc, dans les deux partenariats d'avant, Art Painting World et je ne sais plus lequel, en fait, ils se sont trompés. Effectivement, j'ai eu que des toiles rondes. Alors que les petites poules qui tricotent et tout ça, ça devait être du carré. Et un autre, dans un autre partenariat qui devait être du carré, ils se sont trompés, ils se sont excusés. Donc peut-être qu'ils vont renvoyer une toile ou me proposer autre chose, je ne sais pas. Alors, donc, je vais ouvrir. J'ai eu du mal à trouver un créneau, les trois enfants sont dans le spa. Le mari regarde la fin de son film en haut, j'ai évacué tout le monde. Et donc, du coup, je vais pouvoir faire mon unboxing tranquillement. Alors, pourquoi ça... Voilà. Donc, ce sont des petites toiles. Hein. Mais là, je ne la voyais pas si petite, en fait. C'est quoi, celle-ci? La plus petite que j'ai, c'est 20 par 30. Donc, ça doit être celle-là. Et c'est du partiel. Comme ça, on peut la faire vite fait en papotage après. Et j'ai les retours très, très, très faciles. Et c'est marrant, j'ai l'impression d'avoir un petit truc pour gamin dans les mains. Mais c'est pas grave. Alors, ce sont des diamants. C'est partiel. D'accord. Mais ce ne sont pas des diamants spéciaux. Donc là, c'est moi qui me suis plantée complètement. Je voulais des diamants spéciaux. J'ai mal regardé. J'ai toujours... En ce moment, j'ai des problèmes. Je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave, hein. Ce sont des petits diamants ronds, donc forcément il n'y en a pas beaucoup. Donc vous avez des couleurs. Oh, les diamants ils brillent. Les diamants brillent beaucoup. Ils sont très très beaux. Le peu que je vois là. Après il ne restera plus qu'à les tester. Voilà, donc j'ai des jolies couleurs. Alors est-ce que c'est la bonne taille? Oui. Donc je vais vous dire un petit peu. Ce qu'il y a, donc le petit toolkit de base avec le stylet, la barquette et le petit pincier. Donc ça suffit largement pour la toile. Je suis embêtée, je pensais que c'était des diamants spéciaux. Non, ce sont des diamants ronds. Mais c'est pas grave, c'est une partielle. Donc il y a 11 couleurs. Vous voyez, c'est pas... Et en plus, je me demande, voilà, c'est le petit chat comme ça, multicolore. C'est joli, ça fait un petit peu, je vous dis, coloriage d'enfant. Par contre, je vais regarder pour le tour, parce que le tour, ils disent donc c'est 20-30, mais à mon avis, c'est avec les bords. Hein. Le peu que je vois, c'est avec les bords. Alors, voilà. C'est du 15 par 25. C'est 15 par 25. C'est un petit truc, tout petit. Éventuellement, je pourrais le faire tester à un de mes petits... Non, mais ils n'aiment pas. Maëva, elle aime bien, là, sa gorgeous. Hier, il y a mon petit-fils Enzo qui a fait un masque avec le chien que j'avais reçu. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et Jules, qui ne s'intéresse absolument pas à ça. Je lui en ai offert de... Toys, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et ben non, ça l'intéresse pas du tout, ni le coloriage, ni rien, donc voilà, ni les puzzles. Je voulais lui faire faire un puzzle hier, pas moyen. Voilà, donc, ben écoutez, moi je la trouve super sympa, elle va être facile à faire, je pense. Ça va être très vite, donc peut-être je pourrais faire une petite vidéo papotage sur ce joli modèle. Enfin, moi j'aime bien.
Mais c'est dommage, j'ai mal vu, c'est ma faute. C'est ma faute. Donc voilà, ça c'est le chat en partiel en fait. C'est du partiel, c'est pas du diamant spécial. Alors je trouve plus l'entrée. Voilà. Hop, voilà une. Ensuite, alors qu'est-ce que c'est? Il y a du carré et il y a du rond. Alors j'espère qu'ils ne se sont pas trompés parce que je voulais tester le rond et le carré sur le site. Alors là, évidemment, c'est un petit peu difficile à tirer. Hop, ça colle bien. Ça colle bien. Alors c'est laquelle celle-ci? Je ne sais pas. Ça doit être le... Oui, ça doit être le rond. Alors, oui, ce sont les diamants ronds. Donc, la toile fait 30 par 25. D'ailleurs, j'ai l'impression que par rapport à l'image que je regarde sur ma tablette, non, ils n'en ont pas coupé. Je pensais qu'ils en avaient coupé. Mais bon, c'est une 25-30. Je vous la montre. Voilà. Ils appellent ça « Charming Woman ». Alors, je vais vous dire tout de suite, c'est du 20 par 24,5. Alors qu'il marque 30-25. Bon, donc c'est la dimension avec les bords. Il y a 20 couleurs, les impressions sont bien. Donc, il n'y a pas de souci. Elle porte bien de son nom. Et au niveau des diamants, donc alors il y a le petit toolkit avec le stylet, la petite barquette, le pain de cire, donc comme je dis, simple mais efficace. Et au niveau des diamants, alors ce sont donc des diamants ronds. Ça fait longtemps que j'ai piqué de diamants carrés, mon Dieu. Alors, bah, il y a des jolies couleurs quand même. Je trouve. Il y en a pas mal, il y en a, combien j'ai dit, 20 couleurs, hein. Voilà, donc, voilà les couleurs. Il y a une petite couleur foncée dans le rose, là. Ah, les roses, il y en a des jolies. Beau rose. Couleur un petit peu sombre, là, mais très brillant. Les diamants sont très brillants. Oh, ils brillent, les diamants, c'est bien, super. Et les petites couleurs qui sont là. Donc, ça a l'air d'être relativement bien. Après, évidemment, je testerai tout, hein, comme je fais d'habitude. Alors, je m'excuse pour le bruit. Mais ça, c'est les sachets, toujours. Alors, est-ce que je me suis trompée? J'espère que non. Hop. Je rembobine la chose. J'essaye de faire vite, parce que ici, il rentre en hurlant. Je ne suis pas... Mamie, ceci, mamie. Voilà. Là, et le toolkit à l'intérieur. Voilà, donc aucun souci sur la toile. La toile, vous savez, c'est nylon, donc c'est bien. Ça, c'est, il n'y a pas de rivière, rien du tout. Donc, un petit coup pour l'aplatir et c'est parfait. Donc, voilà celle avec les diamants ronds. En ce moment, les partenariats, ils sont épinglés dans le garage. J'ai tout enlevé ce qu'il y avait à la maison parce qu'il y en avait partout en fait. Donc là maintenant c'est tout au garage, ou presque, ou presque. J'ai gardé les toiles que je faisais, que j'essayais de faire. Ah, voilà, donc ça c'est le diamant rond. Donc ça, forcément celui-ci c'est le diamant carré. Ça colle. Voilà. Ouais, c'est bien protégé toujours dans les petits sachets, un petit peu, tous les sites ont le même. Alors, est-ce que ça va rendre bien? Ah oui, ce sont... Alors, là, j'ai des diamants carrés, enfin. Donc, le petit toolkit de base, hein, classique. Comme d'habitude, les diamants carrés, ils ont l'air très bien. Alors, je vais les ouvrir. Là, ouais, il y a des jolies couleurs. Mais elle m'a paru, j'aimais bien cette toile, je ne sais pas pourquoi. Regardez, il y a des jolis verts.
Vert émeraude, turquoise. Les carrés, c'est très. Les carrés ont l'air bien faits. Je regarde dans les couleurs claires. Ouais, mais je. Ah, ce qui m'épate à chaque fois, c'est la taille des. À chaque fois que je commence une toile carrée, j'ai l'impression que les carrés ils sont plus petits que d'habitude. Mais non, c'est une habitude. C'est une habitude. Regardez les belles couleurs. Il y a des jolies couleurs dans cette toile. J'aime bien. C'est des couleurs que j'aime. Vous avez tout, du orange, du bleu, du vert, du vert anis, du vert foncé, du vert pâle. Ouais, c'est super beau. Franchement, diamant, rien à redire. Très, très bien. Alors, je vais. Et la toile, vous savez que maintenant, pour les partenariats, bon, il y en a que je ne pouvais pas changer, puisque c'était déjà fait depuis plus d'un mois, voire plus, hein, pour certains. Mais je suis obligée d'analyser chaque photo que je choisis. Voilà, donc vous avez des photos où vous n'avez pas le droit de vous en servir. Il y a des photos où vous pouvez vous en servir, mais il faut simplement dire le nom d'artiste. Puis après, vous avez des photos libres. Voilà, donc il faut trouver sur Internet, il faut jongler. J'ai fait ça avec ma petite fille, là, qui a 15 ans et tout. Bon, elle est plus douée que moi en Internet, mais on a réussi. Et donc en fait, ça nous dit, là, j'ai eu encore deux partenariats, donc j'ai choisi en fonction de ces photos. Voilà, parce que je ne veux plus de problème, comme vous le savez. Alors, ce petit truc-là, je l'avais vu dans un autre site, je crois. Et ça m'avait beaucoup plu. Donc, c'est d'une 30-40, mais je suppose que ce n'est pas une 30-40. Vu que les autres, je roule un peu parce que c'est vrai que là. Voilà. Et donc, c'est celle-ci. Le chat qui tient le poisson entre ses pattes. Je ne sais pas pourquoi ça m'avait bien plu. Elle est où d'ailleurs? Elle est là, voilà. Elle est super jolie. Voilà. J'ai dit, tiens, en diamant carré, même une petite taille, ça doit bien rendre. Alors, je vais mesurer. Donc, là, c'est du 24, forcément. Donc, 24, ça doit être sur 34. Ouais, c'est sur 34. Il y a 25 couleurs. Il y a la DMC de chaque côté. Les caractères sont très, très bien mis, marqués. Donc, il n'y a aucun souci. Voilà, je suis très contente de cette toile. Pareil, hein, au niveau de la. C'est du nylon, comme toutes les toiles basiques en général. Et puis les prix sur ces sites que je vous donne sont très très raisonnables. J'ai eu un partenariat avec Broderie Diamant, mais pas e-broderie, Broderie Diamant. Bon, ils m'ont dit qu'ils faisaient du dropshipping en fait. Mais qu'il y avait un suivi, un SAV nickel top et tout, mais en fait, ils revendent leur toile plus cher que normal, je trouve. Et là, pour le moment, ben, ils ont un problème. Ils ont dit que les ventes baissaient, que le partenariat était mis en stand-by. Voilà, donc j'ai dit pas de souci. Et peut-être que je ne sais pas si je le recevrai ou pas. Voilà. Hop, ben là j'arrive pas à le rentrer parce que le papier bulle il est mal agencé, donc je le referai après. Ensuite, alors, je remets ma tablette à zéro. Ah, évidemment, j'ai commandé un kit petit de broderie. Donc, jolie image. Et je vais vous montrer. Donc, j'ai pris une petite parce que je voulais changer. Parce que la grande, elle est en cours. Je vous ferai des encours de toute façon. Et je voulais qualité. Donc, je voulais tester, pardon. Donc, vous avez le petit. La petite. Comment on appelle ça? Je ne sais plus. C'est pas la feuille de route vraiment. Là, c'est les explications. Comment il faut faire et tout. Mais dans toutes, vous avez le même papier. Voilà. Donc évidemment les couleurs qui sont là-dessus n'ont rien à voir avec les petites couleurs de l'image. D'ailleurs, ils m'ont donné une image, vous voyez. Il y a 36 couleurs quand même. Alors, par contre, c'est basique au niveau du kit. Voilà, donc ça, ce sont les couleurs. Vous voyez. Donc ça va de 1 jusqu'à 18 là et de 19 jusqu'à 36. Donc les écheveaux sont petit, mais en sachant qu'un fil c'est enfin, un brin c'est 6 fils et qu'il faut le diviser encore en deux pour avoir 3 fils pour pouvoir travailler.
Donc voilà, en fait, ils nous ont mis ça. Il y a, alors c'est vraiment le canevas là, hein. Puis j'aime bien parce qu'il est souple en fait. Ça s'échappe. Il est souple, je vais pouvoir, moi j'aime bien travailler comme ça. Et voilà, donc il y a deux aiguilles, j'en ai perdu une. Oh purée, il y avait deux aiguilles moyennes. Ah, voilà. Mais ça, je vais les ranger, hein, parce que voilà, j'ai deux aiguilles. J'ai pas de dés, j'ai rien de plus, comme dans l'autre. L'autre, j'avais, hein. Vous vous souvenez, la première que j'ai commandée, mais celle-là, c'était pas un partenariat. Donc, je suis en train de mettre mes... Voilà, j'ai mis mes petites aiguilles. Donc, évidemment, ça ne donne rien, parce que les couleurs qui sont là sont différentes. Par exemple, là, je vois le violet qui est le numéro 18. Le numéro 18 violet, c'est le 800. Et le 18, ici, c'est du bleu. Vous voyez, donc c'est le bleu qui va recouvrir tout le violet. Et une fois qu'on a terminé la toile, en fait, il faut le laver. Donc, ils le disent à 30 pendant 3 heures. Il faut laisser tremper dans une eau à 30 pendant 3 heures. Ensuite, il faut laisser sécher. Et ensuite, il faut donner un petit coup de fer sur la toile. Voilà, tout simplement. Ah ben moi je suis bien contente parce que c'est une petite et j'avais envie de faire une petite parce que ça va plus vite. Je voulais voir le résultat en fait. Voilà, donc ça, toujours, hein, merci les créas de Léa. C'est elle qui m'a mise là-dedans. Et puis là, j'ai regardé ce matin la vidéo de Hélène et de Diamond Painting. Je suis abonnée et elle est en plein dans le colo. Mais alors attendez, d'ici que je saute le pas pour le coloriage... j'ai vu sa copine Lucie Dépée aussi qui avait pris qui a pris sur Amazon un livre de coloriage mais de Annaline. Oh là là, c'est trop trop beau. Parce que moi j'ai plein de crayons de couleur. J'ai acheté des beaux coffrets. Il y en avait des beaux chez Action. J'ai des mandalas là, des trucs. Mais voilà, quand on voit une vidéo, on a envie. Donc voilà, donc je suis hyper contente de ce petit kit point de croix. Et donc, pour le kit point de croix, j'ai pris plusieurs choses qui allaient avec. Alors, déjà, j'ai pris ces petites fleurs. Alors, où elles sont, mes petites fleurs, là? Elles font 0 euros. Je crois que c'est 99 centimes ou un truc comme ça. Attends, parce qu'en fait, là, j'ai mis dans mon panier, mais... Voilà, elles font... J'en ai 99 centimes de dollars. Donc, je ne sais pas combien ça fait. Hein. Là, j'ai pas la... Et donc... Non, c'est pas cela. Ben si, c'est ça. Pourquoi 5 pièces? Moi, j'en ai pas 5 pièces, moi. J'en ai beaucoup plus. J'en ai beaucoup plus. J'ai 20 pièces. 20 pièces. Alors, 20 pièces, je vous dis, c'est 2,99 $. Alors, je... Oui, je peux l'ouvrir. En fait, on n'en a jamais assez. C'est ça. Vous voyez, là? Non, vous voyez pas? C'est pour enfiler le fil dans le chat de l'aiguille. Donc j'en ai toutes les couleurs, c'est des petites fleurs. Donc là j'en ai 20. Alors j'espère que je ne les perdrai pas non plus. Donc j'en mettrai quelques-uns dans chaque kit. Ensuite ben, j'ai trouvé ça. Alors ce sont des petites bobinettes. Alors les bobinettes. Les bobinettes, je cherche. 100 pièces, 4,99 $. Alors, c'est où? Là. Parce que moi, j'ai fait en carton. Je ne sais pas si vous aviez vu. Oula, comment ça s'est emballé comme ça. Alors, je vais vous en montrer. Une. Deux. Voilà, j'en ai tiré un peu, là. Voilà. Donc, vous avez des petites bobinettes comme ça, semi-opaques. Et ça, c'est très bien. Donc, pour mettre son fil, donc vous coincez le fil là dans une rainure. Hop, on tourne et on coince dans l'autre rainure. Et donc, pour aller avec, ben, j'ai pris les feutres, les stylos effaçables à l'eau, marqueurs, 4 couleurs, qui coûtent 1,99 $. Voilà. Donc, ben, je marquerai dessus et ensuite, on peut l'effacer en espérant que... Par contre, il me manque une petite boîte. Il faudrait que vous savez, je trouve une petite boîte pour mettre mes... Comme ça, là. Voilà, ben là, je ferai la préparation devant vous. Je vais essayer de tout préparer. Voilà, donc là, je suis hyper contente des produits que j'ai choisis, en fait.
je voulais donc du diamant rond, je l'ai, du diamant carré, je l'ai, par contre, j'ai pas de diamant spéciaux, mais à culpa, c'est moi qui me suis trompée. Et la broderie et des petits accessoires pour la broderie qui sont très très utiles pour moi. Voilà, ça, l'étoile, tout ça, mon petit partenariat everydaycraft.com avec l'accent, vous avez vu. Voilà, donc je vous ai tout présenté. Je vous mettrai évidemment tous les liens en barre d'infos. Et je regarderai dans les mails s'ils m'ont donné une ristourne pour vous. Sinon, aujourd'hui, je leur fais un mail direct. Et quand la vidéo sortira, vous aurez tout ce qui va avec et si vous avez un code promo. Par contre, il y a un site qui m'a bien... Ils ont mis 8% de réduction. Et ils m'ont dit, on ne mettait pas plus que ça parce que, en fait, les prix sont très bas sur notre site. Donc, je ne sais plus quel site, vous le verrez de toute façon quand il y aura un code de 8%. Le site n'est pas très cher. Mais en général, tous les sites que j'ai qui m'ont contacté, là, tout est très abordable. Bon, c'est toujours pour la livraison gratuite, hein, il faut environ, là, il le dit, $50,06. mais bon, moi, je trouve que les prix sont raisonnables. Par contre, le prix de livraison, je ne sais pas du tout. Alors, peut-être que là, dans mon panier, j'ai ça. Alors, si je marque vérifier, j'en ai pour $28,94, là. Donc, c'est raisonnable, en sachant que j'ai eu un produit gratuit. C'était ça. Voilà. Parce qu'au bout de temps, et quelquefois, il y a un petit cadeau. Alors, je ne veux pas payer. Maintenant. Ah, bah écoutez, non, ça c'est libéré, 28, le total, calculé à l'étape suivante. Donc, je ne sais pas du tout, en fait. Et je ne vais pas tout remplir, le contact et tout, mais bon, je pense que ça ne doit pas être énormément. Il doit y en avoir, à mon avis, pour 5-6 euros, pas plus, quoi. Voilà. Voilà, mais écoutez, je suis contente de vous avoir présenté donc ce nouveau partenariat. Je suis contente, il me tarde de commencer la petite toile là déjà. Enfin, il me tarde à chaque fois de tout commencer, hein. Ça vous me connaissez. Mais il faut que je termine aussi ce que j'ai à faire. Et là, j'ai des encours, donc hier j'ai quand même fait 1h30 je crois avec ma petite fille, mon petit-fils. Je vous mettrai la petite vidéo, vous verrez. Comment ils étaient installés pour faire leur diamond, c'était marrant. Bon, évidemment, je n'ai pas montré leur visage, hein. Je vous montrerai. Alors, je ne sais pas dans cette vidéo ou l'autre, mais même si c'est une vidéo partenariat, je peux très bien vous montrer ça. Je ne sais pas si je le mettrai cette vidéo ou une autre vidéo, plutôt une vidéo sur les avancées, les encours. Voilà. Donc, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vois qu'il y en a qui commencent à sortir du spa, donc je me dépêche. Et profitez bien de vos vacances si vous êtes en vacances. Et surtout, bien sûr, prenez soin de vous. Bye. Donc, je vous montre la façon de faire. Ils ont tous les deux le genou à côté. Mais ça diamante. Serré. Ça diamante bien.